Bonjour les cafardinos, l'histoire de l'ESL Cologne, l'ESL One Cologne, les IEM Cologne, le nom a changé, je vais vous expliquer pourquoi, l'histoire de ce tournoi très prestigieux, voire peut-être le plus prestigieux de Counter-Strike, qu'est-ce qui a fait sa légende, etc. Donc je vais revenir sur absolument toutes les années, toutes ces éditions, voilà, donc petite encyclopédie, petit documentaire, encore une fois un nouveau concept de vidéo qui j'espère va ravir les passionnés. Parce que c'est pas des vidéos, on va pas se mentir, qui font des vues. Mais moi, ça me fait très plaisir de traiter ces sujets. Dans la description, si vous voulez m'aider, mon site internet et Skin Baron, si vous voulez acheter des skins. Voilà, passez par ces deux sites si vous voulez m'aider pour que je touche des commissions, tout simplement. Alors, les IEM Cologne, plus connu sous le nom de l'ESL One Cologne. C'est un des tournois les plus prestigieux de la scène compétitive sur Counter-Strike Global Offensive. Ce tournoi était à l'origine... un major et il est apparu pour la première fois en 2014. Jusqu'à 2016, c'était un major. Et il faut savoir que ce tournoi a tellement rempli l'amphithéâtre, le stade. Il a tellement fait d'audience avec les stats sur Twitch, avec des viewers. Et une telle ambiance dans le stade, l'engouement qu'il y avait autour de cet événement. Parce que vraiment, le public était incroyable et tout. Qu'en fait, l'organisateur du tournoi, donc ESL, s'est émancipé de Valve et a fait de cet événement un événement à part entière en réalité. Et donc Valve a donné le major à d'autres organisateurs de tournois. Mais l'ESL One Cologne reste, je pense, le tournoi le plus prestigieux avec Katowice, bien évidemment. Et notamment grâce à... son stade, la Lanxess Arena, qui est extrêmement, extrêmement impressionnante. Et on va commencer donc avec l'ESL One Cologne 2014, le premier de son édition. Et c'est petit zoom, petite loupe sur les Français qui étaient LDLC à l'époque, qui se sont inclinés en demi-finale, avec une demi-finale quand même de grande, grande, grande qualité. Ça s'est fini en 3 cartes, 2-1 à l'avantage des Suédois NIP, les légendes avec Getright, Forest, etc. Sur une dernière carte absolument fantastique qui était Cobblestone, qui a fait l'histoire en plus de cette map de légende. Très triste de la voir aujourd'hui plus en activité sur le milieu compétitif. Et les Français se sont inclinés 16-14 sur la dernière carte, 2-1 au total, et ils sont éliminés de ce tournoi. Et derrière... de l'autre côté de l'arbre, on a les Danois, les actuels Astralis, on va dire ça comme ça. Donc c'était Xipnix, Dupré, Device, etc. qui jouaient chez Dignitas, qui ont affronté Fnatic et qui se sont vus eux aussi éliminés 2-0. Donc 16-11, 16-14 par Fnatic, qui va voir une finale d'anthologie entre les Suédois. Et donc c'était NIP contre Fnatic et c'est... NIP qui remporte cette première édition et leur premier major. Voilà, ça veut dire que à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, les anciens et ceux qui découvrent, NIP était une des équipes les plus dominantes mais qui n'avait pas gagné de major. À chaque fois, elle perdait en finale et notamment contre Fnatic ou alors contre les Français de l'époque qui étaient LDLC. Et donc NIP, Ninjas in Pyjamas, qui gagne cette première édition avec 100 000 $ à la clé pour le premier, alors qu'aujourd'hui les montants sont bien plus élevés que ça. Et on a eu un Freeberg d'anthologie, voilà, gros scoreur, etc. On peut passer désormais à l'ESL One Cologne de 2015. Et cette fois, la finale va opposer Envious à Fnatic. Et pour ceux qui s'en souviennent, les gars, on peut en faire des cauchemars. On peut en faire des cauchemars. Donc Fnatic était quand même les grands favoris à cette époque parce que c'était les numéros 1 mondiaux. Envious était les numéros 2 mondiaux, mais Fnatic gagnait plus de trophées dans les événements et à chaque fois on perdait en finale contre justement les Suédois. Et donc là on perd 2-0 et notamment avec un match de ouf sur D2 avec un double overtime. Qu'on perd 19-15 au final avec un Crims qui fait un 1v3 légendaire. Donc on se prend un comeback monumental. Il faut savoir que Fnatic, Envious pardon, avait plusieurs balles de match sous la main. Et voilà, on s'est laissé, et par de multiples interviews des Français par le futur. Donc à l'heure actuelle, il y a eu des interviews de Kenny S, il y a eu des interviews de NBK, etc., qui disaient que bah voilà, ils avaient pris l'eau, ils avaient perdu le mental, il n'y avait plus de com, il n'y avait plus d'énergie, tout le monde était en mode zombie, entre guillemets. Et donc on s'est incliné sèchement
2-0. Et dites-vous que même dans ma mémoire, je pensais qu'on avait perdu cette finale 2-1, tellement c'était serré, tellement c'était intense dû à cette carte de D2. Mais en réalité, non. On aurait pu égaliser pour aller en troisième carte et ça n'a pas été le cas. Et il faut savoir que lors de cet événement, c'est Flusha qui a été absolument extraordinaire et c'est donc Fnatic qui l'emporte donc ce titre avec les 100 000 $ à la clé pour le premier, bien évidemment. Envious a remporté 50 000 $. On passe à l'ESL One Cologne de 2016 désormais. Et donc là, c'était le dernier major. Encore une fois, c'était un major absolument, j'ai envie de dire, emblématique avec la participation d'Envious, je le rappelle. Mais voilà, ça s'est très très mal déroulé pour les Français. Et c'est les Brésiliens qui ont remporté cet événement. Ils étaient champions du précédent major avec Luminosity. Ils avaient fait un changement de structure pour passer chez SK Gaming. À l'époque, c'était les favoris, c'était vraiment l'épopée brésilienne un petit peu 2015-2016. Et donc là, on a Coldzera qui est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle de cette période-là. On avait Fallen qui rénovait, qui donnait une évolution au rôle de sniper. On n'avait jamais vu un sniper leader in-game dans le trio d'attaque, mi-support, mi-sniper agressif qui débloquait les situations, etc. Donc encore une fois, une finale de légende, et notamment contre Team Liquid. C'était la surprise de cet événement Team Liquid avec Simple. Tout le monde se rappelle de son shot sur Cash où il tombe et tout de la hauteur. Et on se rappelle également de justement SK Gaming et du shot de Coldzera, le 4-4 Coldzera sur Mirage où il saute dans tous les sens. C'était lors de cet événement que ça a eu lieu. Et donc Coldzera MVP de cet événement, SK Gaming phénoménaux, et c'est eux qui remportent. Et là, pour le coup, c'est fini les petites sommes d'argent, les amis. Là, on passe à 500 000 $ pour le premier. Donc, vous voyez qu'il y a eu un bond économique par rapport aux précédentes années. Donc, avant, c'était 100 000 $ pour le premier. Maintenant, c'est 500 000 $ pour le premier. Félicitations à ces Brésiliens qui nous ont fait rêver à ce moment-là. On passe à l'ESL One Cologne 2017 désormais. Et donc, à partir de cette édition, ce n'est plus un major. Mais on connaît le prestige de cet événement. L'Anxess Arena, c'est une ferveur, c'est un chaudron un petit peu. Il y a une ambiance de folie dans la L'Anxess Arena. Donc c'est un tournoi qui est très important aux yeux de tous les fans et tous les acteurs un petit peu de la scène compétitive sur CSGO. C'est les Brésiliens toujours qui sont dominants en 2017 et ils ne concèdent qu'une seule map pendant tout le tournoi. Voilà. Pendant tout le tournoi, ils n'ont concédé qu'une seule map. Donc c'est pour vous dire que cette période 2015-2016-2017, c'était vraiment les Brésiliens qui étaient dominants de ouf avec SK Gaming. Et on a le droit à une finale avec notamment Cloud9. Donc encore une fois, ça y est, on voit qu'il y a des changements, on voit la scène nord-américaine qui commence à exploser avec les Brésiliens et également Cloud9 là, qui fait finale de tournoi majeur en tout cas. Mais il s'incline 3-0, voilà, 3-0, parce que là on a le droit à un BO5. Il s'incline 3-0 face à SK Gaming qui sont beaucoup trop dominants, beaucoup trop en avance sur tout le monde. Et on a donc là pour le coup, c'était G2, la super team, qui échoue à la 8e place. Donc dans l'histoire, les Français ont eu des périodes vraiment très, très irrégulières, avec des périodes de petites dominations de quelques mois et beaucoup d'échecs vraiment en phase de poule à peine. Alors que je trouve que dans d'autres nations, ils ont eu des périodes de domination plus longues et surtout beaucoup plus régulières, où même quand il y a des coups de mou, c'est plus carré final, quoi. Alors que chez les Français, on est clairement, je trouve, on passe de très très fort à très très moyen. Et donc là, pour cet événement, c'est Fallen, le MVP, largement mérité. On a eu droit à Coldzera, après on a eu la période avec Fer, et là maintenant c'est Fallen qui est récompensé avec toute l'épopée brésilienne. Et là, ça va sonner le déclin par contre, parce que fin 2017, on approche de 2018, et là, c'est du très très lourd avec la grande époque Astralis. Voilà, donc c'est la grande année d'Astralis. C'est l'année également où on a la scène russophone, toute la scène CIS qui commence à exploser 2018, avec Simple qui commence un petit peu à s'implanter en tant que meilleur joueur de tous les temps individuellement et qui devient, on va dire, un vrai capitaine et qui pousse vraiment son équipe. Et donc là, on a Navi qui remporte le tournoi, l'édition
2018 avec justement un sample absolument stratosphérique, bien évidemment, et un électronique absolument incroyable également. Et c'était face à Big parce que Astralis a échoué justement en demi-finale contre les Navi avec un match absolument exceptionnel. Et c'est Simple qui finit MVP de ce tournoi, qui commence à créer sa légende réellement, quoi, vraiment en mode domination. On est vraiment sur 3 années où Simple, il est vraiment absolument injouable. Le SL1 2019 désormais, et je crois que c'est la dernière édition entre guillemets version LAN. Après, il y a eu le Covid, tout ça, confinement, donc plus le droit à de magnifiques photos, vidéos, moments de joie, de tristesse également pour les éliminer. Et donc le SL1 Cologne, l'année 2019, elle est marquée par l'équipe la plus skillée de tous les temps, un petit peu. C'est un nouveau jeu qu'on arrive à voir, voilà, tout le monde commence à s'affirmer, le CSGO prend en maturité. Pour ceux qui connaissent mes vidéos, qui ont suivi mes analyses, etc., vous savez que 2019 est pour moi l'année la plus compétitive, le plus beau jeu de Counter-Strike qu'on ait jamais eu, toute nation confondue. Et donc là, c'est l'équipe la plus skillée de tous les temps, Team Liquid, avec Stewie2K qui arrive, qui a été racheté à MIBR pour un montant de $800,000, pour ceux qui ne le savent pas. Mais le meilleur joueur du monde était du côté de chez Vitality. C'est le Messi de CSGO, c'est la personne qu'on attendait en France vraiment, parce que c'est le renouveau, c'est Zinedine Zigounet aka Ziwu. Donc Liquid a maîtrisé cette finale quand même face à Vitality, qui s'est difficilement hissé en finale. Voilà, Vitality, ils ont eu en demi-finale Astralis, ça a été compliqué pour eux. Ils ont eu NRG, voilà, qui sont les actuels Evil Geniuses. Donc c'était du très très lourd, franchement. Il y a eu, vous vous rendez même pas compte des événements. Voilà, en 2019, c'est ultra compétitif, chaque match c'est une bataille, chaque match c'est une guerre qui doit être effectuée par les 5 joueurs sur le serveur, les 10 pardon, sur le serveur. Et donc là, il y a eu des tensions lors de cet événement au sein du groupe français, notamment avec NBK. On a su après qu'il y a eu vraiment des dires un petit peu des Français lors de leur stream, etc., personnel, où ils disaient qu'ils pensaient même pas pouvoir atteindre la finale avec une ambiance un petit peu voilà, défaitiste, on va dire ça comme ça. Mais le SL Cologne 2019, c'est Team Liquid qui a également remporté l'Intel Grand Slam. Donc c'est un trophée, c'est un cash prize de $1 million qui est attribué à l'équipe qui remporte le plus d'événements majeurs du circuit IEM DreamHack SL. Et donc là, on a l'année de Team Liquid, clairement, alors qu'il y avait Vitality qui était vraiment absolument monstrueux, on avait Astralis qui était monstrueux également, on avait Navi qui était monstrueux. On avait vraiment Evil Geniuses, l'explosion d'Evil Geniuses aussi. On avait vraiment un top 5, top 6 mondial d'une très, 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 très grande qualité. Et il faut savoir que Team Liquid a remporté en seulement 63 jours, donc en seulement 2 mois de compétition. Ils ont enchaîné toutes les compétitions, ils les ont toutes gagnées sur 2 mois. Bon, après, maintenant, voilà, Team Liquid, c'est plus du tout l'équipe, mais vraiment, ils ont eu un momentum absolument phénoménal. Ils ont dominé sur on va dire sur 3 mois tous les événements contre les meilleures équipes du monde, et vu qu'ils ont enchaîné tous les titres de Grand Chelem, on va dire ça comme ça, ils ont été récompensés de $1 million. À titre de comparaison, Astralis a gagné ce même titre l'année précédente en 323 jours. Ils ont mis un an avant d'avoir entre guillemets les points nécessaires pour remporter cette récompense. Ça veut dire que d'un côté, on a Team Liquid qui a remporté cet événement en 2 mois, ce cash prize et ce titre en 2 mois, et les $1 million qui vont avec. Alors que de l'autre côté, Astralis, la meilleure équipe de tous les temps, elle a mis un an. Ça veut dire que sur un an de compétition, Astralis, elle a quand même été top 2 de temps en temps et tout. Alors que là, sur 2 mois, Team Liquid, ils ont enchaîné genre 4 ou 5 tournois, et les 4 ou 5, ils les ont gagnés. Donc, grande félicitations à Team Liquid qui remporte cette édition 2019, mais c'est Ziwu le MVP de l'événement. Donc il arrache le MVP parce qu'il a eu des performances absolument exceptionnelles. Pour ceux qui s'en souviennent, vraiment, le joueur était absolument injouable et personne ne l'attendait à ce moment-là. Alors, ESL One Cologne 2020 qui se joue en
online. Et il est séparé par une zone EU et une zone NA. Il n'y a plus, on va dire, bah voilà, parce que personne ne pouvait se déplacer avec les Covid, etc. Donc voilà, c'est le SL Cologne, un petit peu pas de la honte, mais voilà, du déclin, parce que voilà, pandémie mondiale oblige, on s'incline face au virus. Donc le SL Cologne 2020 s'est joué online et séparément dans chaque continent dû à la pandémie. En Europe, c'est Heroic qui en est sorti vainqueur. Pour ceux qui s'en souviennent, en battant Vitality en finale sur un BO5, 3-0. On a été, mais genre, balayés. Donc, on est passé à côté d'une finale encore une fois. C'était vraiment l'année 2020 où Vitality, on perdait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en finale. Et pourtant, tout le tournoi, il y avait une belle maîtrise de la part des Français, pour ceux qui s'en souviennent, parce que c'est encore frais quand même, 2020. Et encore une fois, malgré la défaite de Vitality, c'est Ziwu qui remporte le titre de MVP du tournoi parce que, bah voilà, hein, c'est Ziwu, il a été absolument encore une fois exceptionnel et que personne n'a ses statistiques, ni son rendement, ni son efficacité, ni son impact pour une équipe. Côté américain, donc le SL1 Cologne, NA, c'est Evil Genesis qui l'emporte en finale face à Team Liquid et c'est Ethan. Ou Nate, je sais pas comment, parce qu'il a changé de pseudo, il a mis en verlan et tout, machin, enfin, vous avez compris. Donc c'est lui qui le remporte. Et maintenant, on va passer à le SL1 Cologne 2020 qui est en train de jouer, mais pour ça, c'est sur la prochaine vidéo. Donc je vous invite à vous abonner, mettre les notifs. J'espère que ça vous a fait plaisir, cette encyclopédie documentaire, nouveau concept de vidéo sur ce thème de l'ESL One Cologne, qu'est-ce que c'est, son histoire, etc. Est-ce que vous en voulez plus, peut-être, sur l'histoire de Katowice, notamment, ou peut-être des DreamHack avec DreamHack Stockholm, etc., qui ont aussi leur histoire. Moi, en tout cas, ça me ferait très plaisir. Dans la description, si vous voulez me soutenir, mon site internet malexsgo.fr pour acheter votre matériel. Et si vous voulez passer par Skin Baron pour acheter des skins ou vendre votre inventaire pour récupérer de l'argent réel, vous pouvez passer par mon lien également, je touche des commissions. Merci infiniment les gars, partagez-moi vos moments, partagez-moi vos souvenirs de tous ces événements, que ce soit voilà, 2014, 2015, 2016, j'attends des commentaires, je veux rêver par votre narration, par vos souvenirs un petit peu, racontez-moi les runes, les moments qui vous ont fait kiffer ou attrister, hein, qui vous ont voilà, procuré des émotions. Moi, en tout cas, j'ai vécu tous ces événements dans le présent. Je les ai tous vécus quand ils ont eu lieu et c'était absolument fantastique. Je suis très heureux d'avoir pu vivre cette grande histoire de Counter-Strike.